Hey, salut les gars, c'est Julien des Barvengers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous avez voté donc en story Instagram. Vous avez voté, oui, pour que je fasse un jeûne de 4 jours. Vous êtes des enfoirés, je confirme. Donc là, on est mardi, il est bientôt 19 h. Ce soir, je rentre, ça va être le dernier repas. Et après, pendant 4 jours, je vais me contenter de boire de l'eau. Donc je vais vous faire un suivi pour avoir en fait le suivi au niveau énergétique, au niveau fatigue, donc comment je vais me sentir au niveau récupération, si je me sens bien, si je me sens fatigué. On va passer par tous les états. Et ensuite, dans 4 jours, je vous ferai donc le bilan. Ce soir, après manger, je vais me peser. On fera des photos pour montrer au niveau du corps là où on en est. Et du coup, samedi soir, on fera le bilan pour comparer les deux, niveau poids, niveau photo, niveau image, au niveau du corps. Donc bien évidemment, pour ceux qui se disent à quoi ça sert de faire ça au niveau du jeûne, donc le jeûne, tout simplement, ça vous permet de brûler du gras, mais pas que. Moi, je le fais surtout pour voir en fait ce que ça donne sur le corps, ce que ça donne niveau énergétique, niveau hormonal, niveau hormone de croissance. Il paraît que le jeûne booste l'hormone de croissance. Donc avec ça, on va le voir. Et ça permet aussi de nettoyer le corps tout simplement, de nettoyer le foie, l'estomac. Il faut savoir que le jeûne, c'est super important pour tout ce qui est maladie. Ça évite plein de maladies cardiovasculaires, c'est anti-cancer. Enfin, la liste est longue au niveau des vertus. Si vous voulez vraiment plus de détails, j'avais déjà fait une vidéo sur le jeûne intermittent où j'explique vraiment tout. Vous trouverez le lien dans la description. Je ne vais pas redire à chaque fois. Donc nous, on se retrouve. Je vais peut-être filmer le repas, ça dépend ce qu'on mange en fait. Et du coup, on se retrouve après manger. Donc j'ai failli oublier. Dans ces 4 jours, il y aura bien évidemment 2 entraînements. Donc un demain matin, donc mercredi, et un vendredi matin. Donc ça sera assez léger, ça sera du renforcement. Et je pense que je terminerai sur du cardio pour pas trop forcer, pas trop taper dans les réserves. On va éviter de trop monter dans les tours. Et évidemment, je vais vous faire le suivi aussi pendant la séance pour vous dire comment je me sentirai. Donc comme promis, on se retrouve avec le repas. Donc vous avez brocoli, tomates, on a des pâtes et j'ai également 3 œufs qui sont cachés dessous et bourrés d'épices. Bon appétit! Bon, on se retrouve dans la salle de bain pour le petit bilan. Donc avant d'attaquer, donc là j'ai fini de manger. Donc là je ne contracte pas. Donc il y a un peu de gras quand même, hein, vous pouvez constater. Donc là, contracté. Donc je pense pas que je perde ça en 4 jours parce que c'est quand même pas non plus super épais. Donc on est là. On va faire le dos aussi, hein, tant qu'on y est. Donc je vais me peser. Donc la balance, donc on est bien à 0. Donc là, je suis entre 74 et 75. Je suis à la limite du 75, donc je pense, on va dire 75 ou 74,9. Donc on va voir ça. Je ne vais pas me peser tous les jours, par contre, je vais me peser juste samedi. Et on verra au final ce que ça donne. Jour 1, comme promis, première séance. Il est 6 h 30 du matin. Aujourd'hui, on se retrouve, on va bosser un petit peu les jambes et faire un petit peu de cardio. Donc je vais vous mettre quelques extraits, mais je ne vais pas vous filmer la séance. Et on fera un bilan, je pense, à la fin de la journée pour vous dire mon état. Et on reprendra demain. Donc premier bilan de cette première journée. Donc là, il est bientôt 19 h. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé. J'ai pas eu trop faim. J'ai faim, certes, mais c'est pas une faim énormissime. C'est plus psychologique qu'autre chose, sachant qu'en plus, j'ai de la bouffe sous les yeux toute la journée. Mais sinon, ça va. C'est supportable. Donc j'espère que je vais bien dormir quand même ce soir avec l'envie de manger. Donc je vous dirai ça demain. Donc demain, je me repose, j'ai pas de sport, donc ça va être un jour de repos. Donc on fera le bilan en fin de journée pour savoir comment ça s'est passé. Donc on se retrouve, on est jeudi, il est 10 h du matin. Donc j'ai super bien dormi, il n'y a rien à dire. Je serais même encore un petit peu fatigué, donc j'y serais bien resté. Alors là, en me réveillant, j'ai toujours un peu faim. C'est pas la même faim qu'hier, c'est une faim moins psychologique, c'est que ça commence à plus taper dans l'estomac. Et par contre, j'ai mal à la tête. Donc c'est un mal à la tête qui passe pas parce que ça a commencé hier soir. Et ce matin, j'ai toujours mal à la tête. Donc on va voir si ça passe dans la journée ou pas. Et voilà, pour l'instant, au niveau de mon ressenti, il y a un petit ressenti aussi au niveau de l'haleine. Pourtant, je me lave les dents, hein. Même si je mange pas, je me lave les dents 3 fois par jour. Et j'ai toujours l'impression de puer de la gueule. Pourtant, je bois vachement du coup pour justement pas puer de la gueule. Mais j'ai toujours cette impression. Donc je sais pas si c'est juste une impression ou alors si c'est le corps et le foie qui élimine en fait tous les déchets. Donc du coup, ça remonte. Mais sinon, voilà. Voilà mes impressions du jeudi matin. Troisième et avant-dernier jour. Donc ce matin, je me suis réveillé à 6 h. Franchement, j'ai eu du mal à me lever, j'étais assez fatigué. Mais j'ai réussi à me sortir du lit parce que j'étais motivé pour m'entraîner. Donc j'ai travaillé les figures, j'ai fait un peu de front, de tuck planche. J'ai fait des handstand push-up, j'ai travaillé le handstand à un bras. Et après, j'ai fait quelques exercices de renforcement avec les bandes élastiques. Donc ça allait super bien en fait, j'ai pas trop forcé, j'ai pris vachement de repos. Entre chaque exo, j'ai pris 2-3 minutes de repos pour pas me vider non plus. La faim est toujours là, mais en fait on commence à s'habituer. J'ai toujours faim, mais on s'habitue, donc en fait on se dit qu'il faut faire avec, on n'a pas le choix. Donc pour l'instant ça va. Et le mal de tête par contre a commencé à se dissiper. Donc j'ai toujours mal à la tête, mais beaucoup moins qu'hier. Donc on va voir, on continuera, je vais voir pour demain. Et on se retrouve demain du coup. Donc demain, ça sera le dernier jour. Donc je pense qu'on se retrouvera directement sur le bilan. Donc je vais vous dire mes dernières sensations pour demain. Mais aujourd'hui, ça va. J'ai l'impression d'avoir une peau un peu plus nette. J'ai le ventre assez plat. Bon, en même temps, c'est normal avec l'estomac vide. Mais sinon, ça va. Donc on verra demain. Au niveau du poids, je me suis pesé hier soir. Donc j'avais déjà un certain poids en moins. Donc j'avais déjà 1,5 kg en moins. Après, le truc, c'est que j'ai l'estomac vide, donc forcément, on perd du poids. Donc, je verrai demain combien j'ai perdu au total. Et après, donc, on parlera de la réadaptation, donc pour remanger derrière le jeûne. Donc, on se retrouve toujours dans le troisième jour. Donc, on est vendredi, en fin de journée. Il est 18 h 30. Donc là, en fait, aujourd'hui, ça a été carrément mieux. J'ai quasiment plus faim. J'ai commencé à avoir faim dans l'après-midi, un peu plus que la matinée. Mais là, ça commence à se dissiper, c'est assez léger. Donc, on se retrouve demain, du coup, pour le bilan et pour la suite. Hey! Donc, on est samedi, c'est le dernier jour. Donc, comme prévu, on se retrouve pour le bilan. Donc, aujourd'hui, je me sens super bien, j'ai une super forme, je suis pas fatigué. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. J'ai notamment plus faim non plus, je sens plus la faim. Donc, on va voir, je vais me peser et je vais également faire des photos donc pour vous faire un comparatif. Donc, torse nu sur le début et la fin. Comme ça, je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Donc comme on peut le voir, là je suis à 72 kg. Donc en gros j'ai perdu 2 kg, 2,5 kg. Donc comme vous le savez, donc j'ai bien perdu 2,5 kg. Mais évidemment moi l'objectif de ce jeûne c'était pas forcément de perdre du poids ou du gras. C'était surtout pour nettoyer et purifier le corps et voir les effets en fait sur le corps, comment j'allais me sentir mentalement. Donc évidemment, je ne vous ai pas dit, mais cette nuit, donc la nuit du vendredi au samedi, donc dans le 3e au 4e jour, j'ai eu assez mal au ventre, comme si c'était mon estomac qui avait faim. Puis ce matin, plus rien, ce matin ça allait super nickel, je me sentais pas fatigué, je me sentais léger, en pleine forme, nickel. Donc aujourd'hui ça va, du coup, vu que c'est le dernier jour, donc tranquille. Et du coup, il va falloir maintenant remanger. Donc pour remanger, il faut faire attention. Donc en fait, il faut manger petit à petit. Normalement, vous devez manger des légumes verts, donc des légumes qui ne sont pas acides. Vous pouvez manger des légumes genre carottes, courgettes. Le mieux, c'est de les manger en soupe ou en purée pour éviter d'avoir trop de digestion à faire. Et donc bien évidemment, vous trouverez plein de sites qui vous expliquent comment remanger derrière. Normalement, si vous faites un jeûne de 4 jours, en fait, il faut à peu près manger pendant 1 jour et demi, 2 jours, en fait, doucement et équilibré. Réadapter les viandes. Pas sur le premier jour, mais sur le deuxième jour, les viandes, les œufs, tout ce qui est poisson. Et donc du coup, manger petit à petit, parce qu'il faut faire attention de ne pas brutaliser l'estomac, du coup, vu qu'il est en mode repos, on va dire. Donc le fait de, par exemple, si vous enfilez un McDo, dès que vous reprenez à manger, là, je pense que l'estomac risque de ne pas aimer du tout, et du coup, vous allez envoyer plein de déchets toxiques, en fait, parce que bon, dans la bouffe du McDo, on est d'accord qu'il y a plein d'acidifiants, plein de E, ésulfalcam au cul, machin. Donc tout ça, ça va partir directement dans le sang, vu que vous n'avez rien dans l'estomac. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de manger super clean quand vous allez reprendre, au moins pendant les 2 premiers jours. Puis après, bah, du coup, pour se pérenniser derrière, essayez de faire gaffe à son alimentation, mais ça, c'est au quotidien. Et comme vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos de là-dessus pour savoir comment manger au quotidien, pour savoir comment manger équilibré si vous cherchez à perdre du poids, à faire une sèche, enfin voilà. Après, donc pour les bienfaits du jeûne, donc je ne vais pas en reparler dans la vidéo parce que j'ai déjà fait la vidéo sur le jeûne intermittent, donc je vous rappelle qui est dans la description. Donc si vous voulez savoir tous les bienfaits sur tout ce qui est anti-maladie, nettoyage du corps, vous cliquez sur le lien et vous regarderez, j'explique tout dans la vidéo. Et donc du coup, moi, tout de suite après là, je vous mets donc les photos, donc les 2 photos, celle d'aujourd'hui et celle de mardi, de quand j'ai attaqué. Donc du coup, comme ça, vous verrez. En fait, moi, personnellement, ça me donne l'impression que j'ai le bide gonflé après avoir mangé. Et là, la nouvelle photo, c'est juste que j'ai le ventre vide. Après, on voit pas forcément la perte de poids sur moi parce que je suis pas non plus super gras. Donc je pense que c'est plus intéressant pour ceux qui veulent perdre du poids, sur ceux qui en ont vraiment beaucoup à perdre. Donc là, ça sera un peu plus rapide et plus facile du coup. Et sans doute plus flagrant en photo, parce que moi, j'ai juste l'impression d'avoir rentré le ventre. Mais sinon, voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit commentaire. Et vous pouvez aussi liker, parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Nous, on se retrouve à la prochaine pour notre vidéo. Et ciao, ciao!